bugün 3.35D'ye geliyor. 900 tork. Git. Gene BMW garajı oldu burası. BMW'ciler geldi. Covering yaptırdı bu hafta onu. Gri değil miydi? He. De la 1500 tours, c'est déjà trop fort déjà. Ah ouais? Tu peux pas faire moins que ce que tu m'as annoncé. Bon, c'est les stages normaux. Je peux faire moins, mais c'est les stages normaux. Tu sais, ça prend 500 chevaux, donc 550 même. Celle d'Ali, tu te rappelles? Tu as déjà vu tes mouvières, t'as déjà vu celle d'Ali? Ouais. C'est moi qui l'ai faite. D'accord. Elle sortait 4 chevaux. Ouais, mais regarde. Stage 2, non? Stage 2, comme toi. Avec un Wagner en plus. Un Wagner en plus, on l'a mis à la fin. Et c'est ce que je lui ai dit, pour le son, faut pas oublier que celle d'Ali était reprogrammée, donc ça soufflait plus. Ouais. Que si tu mets une ligne avec le downpick, mais non reprogrammée, ça risque de moins souffler que celle d'Ali. Là, vu qu'il y avait trop programme, bah si. Ali, il a éclaté tout ce qui bougeait. Bah moi, je suis sûr, c'est mieux que le 335i. Le 335i, tu le tords. Bon, allez. Tu tords quoi? Tu tords M3, Ferrari F430. Je compare avec tout ce qu'Ali a tordu. Donc, Elle est récente, celle-là. BM Performance. Mmh. Sébastien Talour souhaite communiquer avec vous. Ah, t'as changé de dénomination en fait, toi, non? Ouais. J'ai même pas enlevé ça. Rien. Ah, arabayı da dağıttınız bunu da. Hı? Her BMW'leri de dağıttık zaten bize. Kaç sefer söktük biz. Temiz mi? Temiz. Tertemiz. Aa, açmadık ha. Aa, bilmiyorum. Aa, bunları da koymuşlar. Aa, o dönürün de yoktu. Çek bunu. İyi mi? İyi parıyor. Il est bon. Je vais changer le flector maintenant. Ouais, tu vas le dire. Il est gentil. Il a garantie quand même, il a dit qu'il ça. Il a dit ouais, t'inquiète. Ah, ça va, les plaquettes, ils ont mis ATE. Ok, bon, allez, on va enlever la roue. On va enlever la roue et c'est ce plastique là qui va casser les pneus. C'est parti.
Ouais, j'ai vu. Prochain taf, c'est on démonte la ligne. Hé, les vis à la con. Ah oui, tu les as pas fait ça. Non. Bah, c'est parti, hein. Elle va faire ça la voiture. Elle va faire ça comme bruit. J'étais avec Romain au téléphone. Il me dit le client il se rend compte qu'il va être traumatisé quand il va accélérer la première fois. Ah bah. Il me dit quand il va accélérer, il a le pied là qui va trembler. C'est autant que ça en différence. Ouais. Parce qu'en fait, regarde, j'ai un 332-92. Défap avec suppression de silencieux. Ouais, tu marchais jamais en 245 chevaux. À bas régime, elle marche mieux que celle-là. Normal, t'as qu'un seul turbo. C'est pour ça. Non, mais là, tu vas. Ah. Là, avec la carto qui va avec. Là, c'est. Ces voitures-là, je comprends. Baba, il disait l'autre jour. Ouais, t'étais là, hein. Ah ouais. C'est... Ouais, ouais, non, surtout, enlève pas le kata, machin. Mais avec la Roprog, ton kata, il va pas faire long feu. Tu vas tuer tes turbos. Moi, tu tues tes turbos avec des katas. Non mais moi, c'est là... une voiture, tu augmentes la puissance, tu passes en libre, c'est tout, c'est physique. Avec une carto, sans carto, c'est sûr. Si t'enlèves les katas et que t'as pas de carto, tu vas perdre le coup, c'est normal. Parce que ta carto, elle est prévue pour d'origine. Où Autolook, il a dû dire. Non. Autolook, je t'avoue qu'on était intéressé parce qu'il y avait, le passage au banc. BR, il marche pas son banc. Il a dit BR, mais BR c'est comme Digiservice. BR, Digiservice, Autolook, c'est MotorTech, c'est tout ça. Là, c'est de la vraie carto, tu vois. Je l'ai dit, à Châteauneuf, il y a un roux, un assez gros. Il était MotorTech en Bretagne. On remarque, c'est pas vrai. Ouais, ça marche. Les turbines. Voilà, les gars. Ouais. Bah oui. On va utiliser les cadres vers des noms, donc t'habilles au Dajac. En bas, un hypnélique des appuyeux. Ah bah oui, bah, sinon oui.
le vois quand même. T'enlèves le pré-cata, cata, tout ça, non? Ah non, pas, c'est tube du turbo jusque derrière. Ah d'accord. Bah là pour les, faut que les 380 chevaux, bah surtout les 780 Nm, faut qu'ils sortent quoi. Ah bah là ça, je te dis, elle va être incontrôlable. Catalyseur, catalyseur, c'est cool. Attends, il y a un truc, il y a une durite, celle-là. Là. C'est quoi, là, c'est bon, vas-y. Ah, tu quittes c'est bon. Don Pip. Attends, je sors. Je suis dans ça, je tire pas. Je suis fort. Ouais, je suis dans la rame. Il y a un écart, faut que je le fasse là, ici. Non, 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 je pars tout le temps, moi. Je pars tout droit. Pourquoi je pars tout droit? Dans tous les cas, ça, c'est par terre. On peut aller au moins aussi bas que ça. Ça me sert à rien de contourner, moi. De toute façon, là, il est par terre, lui. Ou alors, pour être sûr, on rentre la caisse et on... Écoute, moi ce que je propose... Tu veux dire, en fait, il faut que tu l'amènes à ce niveau-là, jusqu'au sol. Ouais. Donc là-bas, tu pars au sol, tu reviens au sol, c'est ça? Je pars tout au sol, ouais, je vais jusque-là. Arriver là-bas, bah peut-être pas au bout, mais...
Quand t'es en dessous. Bon, Y, Y, tu sais, l'angle il est bon ou pas? Attends. Quand on lève ta tête. Dégale, va, je nous check. Okay. Açıklığı diyorum bir tane bak. Şuraya vursam bir tane. Elim yandı. Bu ne rica? Bu ne la? Arabanın altına nasıl da girdim ben? Ouais, vas-y, mets-le.
6000 Kelvin. Ouais, il y a gözünü patla diyor. Yolda böyle iki tane takacağım var ya. Bir sağ, bir sol. Adam kolu be, metro derrière lui ya. Bir sağ, bir sol takacaksın bundan. Adamın gözü patladı. Adamın tam gözü patladı. Exos'un sonuna geldik. Çekiyor mu videoyu? Bitiyor mu usta? Ne bileyim, adamın gözü patlamış zaten. Onu da bir gün takarız onları. Işığa bakın ha. Ustamız egzostu bitiriyor. Tam sonuna geldik. Çevirelim mi? Çevir bakalım. Çevir. Çevir, çevir. Hadi Cengiz kaç. Çevir bakalım. Arkaya git. Hadi. Diyemem ben ha. Mantıya vurdu ellerim. Ellerim yapışır oluyor var ya. Tamam, elleri patlar. Böyle tam öyle ellerim patlar. Elle bir bakayım elinle. Elinmez git. Elinden mi elleyim orayı? Yok ya. Les gars, on est des ouf. Gece oldu hala çalışıyoruz. Comme dit Tuncay. Polis gelecek. Türkiye gibi değil ki. Tu travailles dehors, tu sais. Il y en a qui fait carrosserie, l'autre qui fait le nettoyage. Detail. Yanında da araba. Karoseri çalışıyordu orada. Ejder. Bir de burada detailing yapıyor. Şimdi de egzoz. Baca, baca. Baca yapıyorsun, baca. 335 bacası bu da. Orada da çırak var şu kırmızı ileride. Ha? Bitiyor mu usta? Valla bitmesi gerekir yani. Işık da güçlü ha. Gözlerin de acıdır ha. Bakayım gözlerin patladı mı Ejder? Le gaz. T'es malade, toi. Une demi-ligne il fait avec. Daha var. Ah ouais. Quelle demi-ligne, sen hangisine bakıyorsun? Aşağı. Gözünle bak. Gözünden güzel bak bir. Yarım kalmış, sen o sanki. Yarım kaldı diyor. Burnundan kokla bir Cengiz bakayım. Tiner. Tiner. Tinerci. Nettoyage. Faut que ça brille. Des graisses. Usta ne yapıyorsun şimdi? Tiner sürüyorum. Parmak izlerini çıkarmak için. D'accord, on enlève les traces de doigts. Après, on va satiner les tubes. Gentil, hein. Ils sont énormes les jours. Ouais.